Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto. La France vient juste de gagner le quart de finale contre l'Uruguay 2-0. On est donc qualifié pour les demi-finales. Je vais donc vous faire un petit tuto revival de 98 et on va regarder à la guitare I Will Survive de Gloria Gaynor. Je vais donc vous montrer les accords qui apparaîtront tous à l'écran. On va travailler un petit rythme. On va travailler ça dans la joie et la bonne humeur pour fêter notre victoire et on croise les doigts pour les demi-finales. Alors à vos guitares, c'est parti! Alors on va avoir besoin d'un accord de La mineur, d'un accord de Ré mineur, un accord de Sol, 3 doigts ou 4 doigts comme vous voulez, un accord de Do, un accord barré de Fa, qu'on pourra faire aussi en petit barré ici, en bloquant avec le pouce la grosse corde. On aura besoin d'un accord demi-diminué, un Si demi-diminué comme ceci. Donc regardez bien l'écran, je vous le présente rapidement. Avec l'index, deuxième case, corde de La. Le majeur, deuxième case, corde de Sol. Le troisième doigt, troisième case, corde de Ré. Et le petit doigt, troisième case, corde de Si. On bloque la corde de Mi et de La avec le pouce et avec cette partie-là de la main pour la petite corde. J'attaque toutes les cordes. Et ensuite, on aura besoin d'un accord de Mi. Et ensuite, d'un accord de Mi 7 qu'on peut faire en retirant l'annulaire, ou bien par rapport à notre accord de Mi à 3 doigts en rajoutant le petit doigt sur la note Ré, troisième case, corde de Si. Donc je résume: La mineur, Ré mineur, Sol, Do, Fa, Si demi-diminué, Mi majeur et Mi 7. Chaque accord va durer 4 temps, c'est-à-dire une mesure. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Si on le joue en ronde et qu'on fredonne un petit peu l'une des mélodies, ça pourrait donner na 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 na. Maintenant on va travailler un rythme avant d'en faire un petit peu plus compliqué. On va faire croche de double, c'est-à-dire bas bas haut. Ça dure un temps, donc par accord il faudra le faire 4 fois. Donc ça va nous donner bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut. Croche, deux, double, croche, deux, double. 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4. On y retourne en fredonnant la mélodie. Na, 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 na. Je vous donne un autre rythme. On pourrait faire croche, croche, croche de double, bas, 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 haut. Ça, c'est les deux premiers temps. Suivi de bas, haut, bas. Et suivi de bas, bas, haut. Donc, deux croches, croche, deux doubles, croche, croche, deux doubles. Ça nous donnerait bas, 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 haut, bas, haut, bas, 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 haut. Encore une fois, bas, bas, bas. Lentement sur la grille d'accords. Ba, 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 ba.
Voilà les amis, c'est la fin du tuto. Je voulais surtout donc vous donner la grille d'accords de I Will Survive de Gloria Gaynor, qui a été la chanson qui a porté bonheur et chance à l'équipe de France de 1998 lorsqu'on a remporté la Coupe du Monde. Donc bonne chance à l'équipe de France pour mardi soir contre le Brésil ou la Belgique. A très bientôt les amis. La, la, la.